Hier, Jean-Marc est mort. Sans souffrir, paraît-il. On ne pouvait pas croire que pour lui, c'était fini. Et entre Pierre et moi, c'est fini aussi. Il avait une femme et une fille. Tu te souviens quand je t'ai téléphoné l'autre soir? Je t'ai dit bien. Je savais déjà. Je le sentais. 1er juillet. On peut dire que la grande nouvelle est tombée à pic. L'Amérique. Rien que ça. San Francisco. Vous vous rendez compte? 3 semaines en Californie sur un plateau. Seul point noir, Bernadette reste à la Marette. Germain, Stéphane, ses deux amours. Nous habitons chez les Miller. Le père est médecin comme papa. 2 fils et 1 fille. Sally, elle, nous ne l'avons pas encore vue. Apparemment, il y a un problème. Please, let me come with you. No, Stacy. It wouldn't help. But I'd really like to see her. Bon, eh bien, joyeux congrès. J'aurais pas fait que tu me dises joyeux bain. Et vous, bon San Francisco. À ce soir. Merci. Allez. Bonne journée. Bonjour, Madame Miller. Je crois qu'elle se repose. Elle n'a pas très bien dormi. Je m'en doute. Faisais-lui partir cette nuit. Qu'est-ce qui se passe avec Sally? Je ne sais pas. Je crois qu'elle passe un moment très difficile. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne peux pas te le dire, ma chérie. Mais pourquoi? On m'a demandé de ne pas en parler. Ils ont tout dans cette maison et pourtant ils sont tous malheureux. Oui, mais ce tout, tu vois, ils le donneraient volontiers pour... Pourquoi? Regarde ce qu'on a trouvé. Quelle horreur! Oh, y en a plein là-haut, il y a aussi des serpents. Gary sait les reconnaître car il en faisait la collection quand il était petit. Mais seulement les inoffensifs, n'est-ce pas? Oh yes, merde! Ah, c'est encore plus chouette que ma collection de champignons mortels. Eh ben, en tout cas, je t'interdis de les mettre dans ma chambre, t'as compris? Ta chambre! Who is she? It's a cleaning lady. Her name is Rose. Good morning, Gary. Look what I found. Oh! Oh! Yes. Oh! Shall we? Oh! Well, here. Yeah. Oh, come by. I think this is nice. What do we got here? Thank you.
best, ladies and gentlemen. Right this way, step right up. Come and see the naked ladies live on stage. Roaring 20s, best club in on Broadway. Best show in town. You got it, live on stage. How about you, sir? Come on in. Take a look. Come on, take a look, take a look. Look inside. Nudity at its best. Come on in, sir. How about you? How about you? Take a free look inside. Why not? And how about you, sir? Hey, miss. What are you doing there? But please, get out of this place, sir. Je parle pas l'américain, monsieur. No. No, but please, get... Oh, no, no, don't. Cécile! Cécile! Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu te rends compte? J'étudie le pays, mais il y a des points de vue plus artistiques. L'art, c'est l'art, ma petite. Si tous les musées étaient comme ça, on m'y verrait plus souvent. On les laisse rentrer et je t'emmène dans un bistrot typique. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va. Ah, tu vas goûter à la meilleure cuisine américaine. Bon appétit, la France. Merci. Et votre sœur, ça va mieux? Ça va. Ça va bien. Je vais chercher la bain. Stacy, je t'en supplie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je t'en supplie. Tu es sûre que tu veux y aller? C'est dur, tu sais. Je sais. Mais si je la connais pas, toi, je ne te connaîtrai jamais tout à fait. Hang in there, Sally. Hang in there. I've been through it too. Thought I'd never make it. Sally. Sally. Sally? I'm her brother. Is she in pain? She's cold. But... It's always like that at first. We call it cold turkey because of the goose pimples. It goes away after a while. Can I take your place? I'll be around if you need me. Would you like some tea? Oui, s'il vous plaît. Venez.
Je m'appelle Maria. Je t'ai élevée en France. C'est lui qui a fondé la famille. La famille? Ici, on appelle ça comme ça. Peut-être c'est parce qu'on a tous un même but, s'en tirer. Lui aussi se droguait. Il s'en est fait sortir de justesse grâce à un copain. Maintenant, il essaye de faire la même chose pour nous. Alors, tous sous? Oui, on a tous goûté, plus ou moins. Plutôt plus que moins. Et on est presque tous passés par l'hosto. La différence, c'est qu'ici, à part l'aspirine, pas de médicaments auxquels te raccrocher. Rien. Du café, tant que tu en veux. Et de la chaleur. Ça, de la chaleur. Si tu ne supportes pas, ben la porte est ouverte. Mais on essaye de rester. Parce que tu vois, de l'autre côté, c'est très simple. C'est la mort. Rentrez maintenant. Il est tard. Ça me tourne maintenant, notre bébé. Non, laisse là. Pauline. Ça va maintenant. Elle dort. La plus dure est passée. Elle est bien. Et voyez-moi cette fille qui oublie son sac. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon café maintenant? Hein? What will it be? Toast, butter and jam, eggs and bacon, two bowls of cereal, pancake, buns and voilà. Okay, thanks. Congrès, c'est bien passé? Ah, très bien, oui. J'ai discouru 35 minutes. Et sais-tu ce que Claire nous a fait le soir? Une tarte à l'oignon. Et où elle a été le plus soufflée, c'est au marché. Quand pour un kilo, elle n'a reçu qu'un seul oignon. Ce marbu était là? Jérémy? Ah, toujours fidèle au poste. On dirait bien qu'elle a fait une conquête. Tu dois y croire de toutes tes forces pour l'y aider. Comment c'est arrivé?
une rencontre, il y a 2 ans. Un homme l'a initié et puis il a lâché. Elle a forcé les doses et... Et voilà. Un homme qu'elle aimait. Et à qui elle n'a pas su dire non. Savoir dire non, c'est souvent ça le courage. Oui, il l'a quitté. Et quand on aime tellement, qu'on quitte. Mais on lutte, Pauline. Il faut se battre. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut se battre. Il faut gagner absolument. Non, je crois donc que c'est chaud. Papa. Oui. C'est toi qui as raison. C'est meilleur chaud. Is everything okay? Mm. Good. Des merdes. Celle-là, t'es pas obligée de la servir en société. Chien comme les morts. Non seulement vous nous espionnez, mais vous gâchez tout. Vous ôtez toute la grandeur, toute la poésie. Tout en débordeur. Tout en débordeur. Mais c'est pas un lit, c'est un paquebot. Si, mademoiselle, c'est un lit. C'est même un limaceur. Qu'est-ce que tu dis? Un limaceur. Tu vas voir. En route pour le paradis. Tu vois, ça te plaît? Non, Stacy, je t'en prie. Non. Pourquoi? Pardonne-moi. Moi aussi, j'aimais quelqu'un. Moi aussi, il est parti. Encore. Ferme la porte, il y a des moustiques. Qu'est-ce qui t'arrive, où tu étais? Avec Stacy. Si tu as froid, tu peux venir, tu sais.
s'est passé avec Stacy, mais c'est sûrement pas la peine de te mettre dans des états pareils. Raconte. Il m'a emmené sur un bateau, c'était bien. Puis après, on est allé au Ritz. Au Ritz? Vraiment? Enfin, presque. Et là, j'ai dit non. Tu aurais pu le dire avant, ça lui aurait coûté moins cher. Mais je savais pas, moi. Je croyais que je pourrais, mais... Quand il a commencé à m'embrasser, moi, je sentais rien. Mais rien. Si tu crois qu'on sent à tous les coups, surtout quand on est tordu comme toi. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Aimé vraiment? Pas depuis la cinquième. Mademoiselle Poussignac, mon prof de français. Quand elle nous récitait le lac de Lamartine. C'est Jérémy? Ouais. Tu vois, avec lui, ça a marché. Malheureusement, c'était pas au Ritz, mais dans 3 mètres carrés à l'université. Moi, sans aimer, je pourrais pas. Je pourrais jamais. Je vais te dire une chose. Moi, la tendresse, ok. J'aime, j'adore. Mais l'amour, non merci. Ça ravage tout. Fais voir encore. Tu me jures sur la tête de Regan qu'il ne me pique pas. Je jure. Toi, Odette, et merde. Le français à l'école, tu commences quand? Cette année. Ah, mais j'aimerais bien voir tes notes. Toi, on t'appellera Californie. Un peu ce goût-là. Ajoutez-y un bon zeste de France. C'est là où carillon les cloches du village. Il y a du monde dans les petites épiceries où tout le monde se connaît. Le soleil se couche sur vos champs, découper un gâteau. Et sur les immenses étendues américaines, sur la splendeur du Pacifique, sur l'abondance, la générosité. À la France, à l'Amérique, à tout ça, sur une même boule ronde. Allô? Ne quittez pas, je vous le passe. Vous parlez de la France? Ah! Merci. Oui. Allô? Monsieur Moreau? La voilà, je suis très embêté. Il est arrivé quelque chose. Et comment est-ce arrivé? Qu'ont-ils dit exactement? Combien de temps?
Merci. Bernadette a fait une mauvaise chute de cheval. Elle est hospitalisée. Nous rentrons par le premier avion. Est-ce qu'elle va mourir ? Qu'est-ce que t'as là-dedans ? Un morceau de Californie. Les passagers du vol Air France 070 en provenance de San Francisco et New York sont invités Stéphane. À utiliser la porte de sortie numéro 1. Les filles, occupez-vous des valises. Charmant. On a quand même le droit d'aller chercher des chariots. Si Bernadette était morte, c'est Stéphane qui aurait embrassé maman tout de suite pour lui faire comprendre. Ta gueule, please. Oh ben ça alors, c'est la première fois que je l'entends parler anglais. Ce sera peut-être temps. Rien de nouveau. Stéphane va nous emmener, votre mère et moi, directement à l'hôpital. Tavernier vous attend à l'extérieur et vous ramènera à la maison avec les valises. À tout à l'heure. Mais nous, on reviendra vite vous donner des nouvelles. Allez, Médor. Oh, mais tu traînes. On la connaît pas, hein? Quand elle est arrivée, nous, c'est surtout son genou qu'on a vu. Grosso modo, le pantalon était en charpie et elle saignait comme un bœuf. Ma femme lui a nettoyé tout ça et c'est alors qu'elle nous a parlé de la bombe. Et avec tous ces attentats que l'on voit partout, d'abord, on n'a rien compris. Sa bombe. Comme elle n'était plus sur sa tête, elle supposait qu'elle l'avait perdue quelque part. Mais où ? Pas moyen de se rappeler. Et pour la convaincre d'aller à l'hôpital... Alors là, ça n'a pas été facile. Et à l'hôpital, comment ça s'est passé ? Eh bien, le docteur Delaunay, le remplaçant de votre papa, l'a prise tout de suite. Il a dit qu'elle pourrait bien avoir un hématome crânien. Et ils l'ont gardée pour les examens. C'est quoi un hématome crânien ? Grosso modo, comme une poche de sang avec un gros bleu à l'intérieur. C'est pas grave, les bleus. Ça devient jaune puis ça s'efface. Celui qui m'a étonné, c'est le petit, Stéphane. Ça a dû lui faire un choc. C'est pas ça. Il n'arrêtait pas de répéter, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Comme si c'était lui qui avait balancé Bernadette. Sa faute ? Voilà. En gros, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Il la garde à l'hôpital juste pour surveiller l'évolution. On pourra aller la voir ? Brièvement et pas tout le monde à la fois. S'inquiéter outre mesure. Ça veut dire quoi, ça, outre mesure ? Et pourquoi pas tout le monde à la fois ? Pour pas la fatiguer, pauvre Pomme. Pomme toi-même. Merde, encore un pic. Je tire que les pics. Les pics, tu sais ce que ça veut dire dans les cartes ? Ta gueule. Faudra pas vous étonner si vous trouvez quelques petits changements dans son comportement. Des changements comme quoi ? Des troubles de mémoire, par exemple. Elle ne reconnaîtra pas, quoi. Autant le dire tout de suite. Bien sûr que si. Elle m'a même demandé de tes nouvelles. Comment va la poison ? Elle empoisonne ! Quelqu'un s'y connaît en serpent ici, plus spécialement en adaptation de serpent à une terre étrangère. Excusez-la, elle déraille complètement.
Comme ça avec Bernadette, ça fera deux. Si on peut remettre à plus tard ton problème de sciences naturelles, bah pour l'instant, moi, je boirais bien un bon whisky. Et je suis pas le seul, j'en suis sûr. Pauline. J'y vais, je m'en occupe. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai dû me tromper de porte. Non, ça ne fait rien, entrer. C'est la bombe de Bernadette? Ah oui, je l'ai trouvée ce matin, figurez-vous. Maman, Krasker est là! Dans un bosquet, près de l'endroit où elle est tombée. Bonjour, monsieur. Crève-cœur. J'ai rapporté la bombe de la petite. Comment va-t-elle? Rien de très nouveau. Il faut attendre. Je lui avais pourtant interdit de monter Prince. Mais elle est arrivée dans un tel état ce matin-là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Une vraie boule de nerfs. Est-ce qu'il va falloir l'opérer? C'est exclu pour l'instant. En tout cas, vous pourrez lui dire que pour son cheval, elle ne se fasse pas de soucis. On s'en occupe. C'est une sacrée tête de bois, votre fille. Mais sans elle, le manège y fait vide. Je signale à ceux que ça intéresse que Stéphane vienne partir à 100 à l'heure et sans dire au revoir à personne. Je me demande ce qui se passe avec Stéphane. C'est vrai qu'il tire une gueule, pas possible. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T'occupe. Allez, montre. Je parie que c'est la souris blanche de Gary. L'omerta, tu sais ce que c'est? C'est la loi du silence dans la mafia. Quand on rompt l'omerta, la mafia ne pardonne pas. Ok pour l'omerta. Ah! Il s'appelle Californie. Oh, il est inoffensif. S'il crève, Bernadette crève. S'il vit, elle vit. J'aimerais mieux la voir seule. N'essaie pas de l'aider à se souvenir. Ça servirait à rien. Dis-toi, ça reviendra. Tout reviendra. Je me dirais, tiens bon. Et l'Amérique, c'était bien? Formidable. Tu veux que je l'ouvre? Ça m'a l'air d'être un livre. Foulez la corbeille. On dirait l'écriture de Stéphane. Ne parle pas de ce salaud. C'est à cause de lui. Ses parents. Irrésolument. Il a dit. Bonjour. Alors, comment on va ce matin? Vous êtes laquelle? Laquelle des sœurs? La numéro 3, Pauline. Eh bien, on va prendre ces petits comprimés et après, on dormira bien gentiment. D'accord? Très bien. Bon, il va falloir la laisser se reposer. Vous ne vous ressemblez pas du tout. Comment pouvez-vous le savoir? C'est elle qui ne se ressemble plus.
Salut Pauline. Bonjour. Comment tu m'as trouvé? J'ai fait toutes les stations du coin. C'est vraiment trop con. Y a pas de ce métier, comme on dit. Mais c'est pas ça. Toi, tu le fais pour Bernadette. Bernadette, elle... Elle t'a dit? Comment c'est arrivé? C'est encore plus con que tu peux imaginer. Bernadette m'a tout simplement flanqué à la porte. Mais pourquoi? Elle a cru comprendre que j'étais malheureux loin de mes parents, que je regrettais ou... Nous avons eu des mots et... J'ai fini par lui dire merde. Toi? Moi. Et je lui ai dit aussi qu'avec sa pipe, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau au capitaine Haddock. Elle est partie comme une folle au manège. Elle a pris le cheval le plus mauvais et elle s'est fichue en l'air. Voilà. Tu es allée la voir? La catastrophe. Elle s'est mise à hurler comme si elle voyait le diable. On m'a suggéré de prendre les nouvelles par téléphone. Excuse-moi. Le pare-brise, s'il vous plaît. Et tu l'aimes malgré tout? Je suis preneuse de gros verres blancs. Entendu. Si j'en rencontre, je penserai à toi. À Bernadette de San Francisco. Elle vient juste d'arriver. Tu te souviens? On avait tous signé. Ce soir, il y a un professeur qui vient en consultation. Un chirurgien. Un chirurgien? Le livre, c'est pour la galerie. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais lire à l'envers, toi? Gare aux Aouta. Je m'en fous des Aouta. T'as vu? Oui, j'ai vu. Est-ce que c'était bien? Les montagnes de crabes sur le port, le quartier chinois, Broadway. Tu nous manques, cavale bien. Alors on va l'opérer? La décision doit être prise ce soir. Embrasse Stéphane. T'es au courant pour lui? Pourquoi ne veut-elle plus le revoir? Tout est un peu mélangé dans sa tête, tu sais. Leur brouille, sa chute tout de suite après. Je crois qu'inconsciemment, elle l'accuse de ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a les parents de Stéphane qui n'acceptent pas. Je viens de le voir. Il est très malheureux. Que veux-tu faire? Quelque chose. Madame de Saint-Émon? Non, mademoiselle, pourquoi? J'aimerais la voir. Je suis Pauline Moreau, une sœur de Bernadette. Vous avez téléphoné? Non, mais c'est très important. Je ne sais pas si madame pourra vous recevoir à cette heure-ci, je vais voir. Entrez, mademoiselle.
Vous pouvez monter, mademoiselle. Bonjour Pauline. Bonjour madame. Asseyez-vous. Je suppose que vous avez déjà déjeuné? Oui, oui. Un croissant quand même? Merci. Vous désiriez me parler? J'ai vu Stéphane hier. Vous avez plus de chance que nous. Nous ne l'avons pas vu depuis plus d'un mois. Il s'est disputé avec Bernadette. Disputé? À cause de vous. Il semble en effet que votre sœur nourrisse certains griefs envers nous, lesquels nous n'avons jamais réussi à le savoir. Des griefs? Comment ça? Que diriez-vous de quelqu'un qu'on invite à dîner, qui arrive au dessert en tenue de cheval, la pipe au bec? Quelqu'un qui s'efforce d'employer le langage le plus cru et qui répond à peine quand on lui parle? Vous diriez qu'elle ne tient pas à être réinvitée. Voilà ce qui s'est passé. Je pense que c'est un malentendu. Un malentendu qui nous a valu de bien sombres vacances. Vous savez, le mois de juillet est la seule période pendant laquelle Stéphane et son père peuvent vraiment profiter l'un de l'autre. Maman? Hmm? Excusez-moi. Aude, je te présente Pauline Moreau, une des sœurs de Bernadette, ma fille. Bonjour. Bon, je vous laisse. Je reviendrai après ma leçon. Bernadette a eu un accident de cheval. Grave. Et vous ne me le disiez pas? Elle voulait vous rendre Stéphane. Ils se sont disputés. C'est arrivé tout de suite après. Stéphane est très malheureux. Il l'aime. Excusez-moi pour le croissant. Au revoir, madame. Pauline. Pauline! Ça va? Très bien. Et maman? Catastrophiquement bien, je te raconterai. Tante Nicole! Dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Donc toi, l'année prochaine, tu me manges des petits pâtés sur la tête? Mmh, en attendant les petits pâtés, tout ça, c'est pour nous? C'est pour remonter le moral des troupes. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Et Alexis? Toujours en bisbille avec sa sœur. Mais tu sais ce qui est arrivé? Non. Eh bien, Alexis a offert à votre grand-mère une trousse anti-casseur avec bombe lacrymogène, matraque, lessifée de détresse. Et devinez ce qu'elle a fait? Elle l'a essayé? En prenant pour cible le généreux donateur, Alexis. Un bon jet de gaz, il tombe raide. Et je te siffle et te resiffle pour appeler à l'aide. Et le livreur de charbon, un nouveau, qui monte, et croyant voir un malfaiteur, il renvoie au tapis ton grand-oncle qui commençait à émerger. Depuis, ils se sont plus adressé la parole. Pourquoi elle n'est pas venue, grand-mère? Nous, on est bien venus de Californie. Alors, de Bourgogne? Oui, mais n'oublie pas que ta grand-mère a 83 ans. Alexis lui a même caché son porte-monnaie de peur qu'elle ne prenne le train en douce. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces mouches? Un gâteau? J'en connais qui aiment ça. C'est le nouveau jeu de cet enfant. Avant, elle les protégeait, maintenant, elle les mange. Est-ce que je peux sortir de table? Toi, qu'est-ce que t'aimerais mieux? Une demi-sœur ou pas de sœur du tout? Tu parles de demi-sœur? Et puis c'est pas ce que j'aimerais le mieux, moi qui compte.
C'est ce que préférerait l'intéressée. L'intéressée perd les pédales. Elle vous regarde avec des yeux de merlan frit. On l'engueule, elle répond même plus. Tiens, ta boîte, vite. C'est une grosse bleue. D'abord, on vous dit que tout va se remettre tout seul. Après, on vous parle d'opération. Et demain, pourquoi pas la petite chaise ? J'ai appris que vous aviez demandé à la veiller. C'était le seul moyen d'empêcher maman de le faire. Puis j'avais envie de la regarder encore un peu, avant. Je peux vous tenir compagnie? Mais oui. Vous savez, une famille comme la vôtre, je pensais pas que ça existait. Faut dire que pour moi, c'était plutôt le contraire. Où je devais avoir 6 ans, quand ma mère a décidé de vivre sa vie. J'étais fils unique. On peut pas dire qu'à la maison, c'était vraiment gay, gay, gay. Alors que chez vous... Vous savez, chez nous non plus, c'est pas facile toujours pour tout le monde. Elle a toujours foncé. La poison, n'en parlons pas. Et Pauline, elle passe son temps à écrire. Alors parfois, il arrive qu'on se sente un peu à la traîne. À la traîne? Vous savez, dans la vie, il y a 2 qualités que je place au-dessus de tout. C'est la sincérité. Et tant pis si vous me trouvez un peu vieux jeu. La pureté. Ce sont 2 mots qui vous vont bien, Claire. Que c'est le grand jour, hein? C'est. Tu verras comme demain tu te sentiras mieux. Nous nous retrouvons dans la cour. Oui. Cécile et Pauline ne sont pas venues? Oh, ça m'a paru inutile. Nous leur avons demandé de rester à la Marette. La voilà. Thank you.
Jusqu'au chemin.